Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de cette histoire incroyable qui s'est passée en Zambie dans une banque. Comme vous pouvez bien le voir marqué dans l'article, on va parler de Madame Mutwalle Winfrida. Alors, c'est marqué en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais peuvent comprendre directement. Donc, cette dame, en gros, elle travaille dans une banque, elle est cadre. Alors, elle a utilisé de son corps pour accorder des faveurs, des services aux différentes personnes. Je vais vous mettre l'audio et vous allez entendre de quoi il s'agit exactement. Affaire de Mutale, une banquière zambienne de 39 ans, qui travaillant à la Zanaco Bank, a été suspendue par la direction de la banque, après que plus de 10 hommes ont déposé des plaintes officielles. Ils affirment que Mutale utilisait son influence en tant que cadre supérieur pour leur offrir des emplois ou approuver des demandes de prêts d'argent, en échange de relations sexuelles avec elle. Au total, il est allégué qu'elle a eu des relations avec plus de 200 hommes, comprenant des clients ainsi que des demandeurs d'emploi. L'affaire a suscité des réactions variées, notamment au Nigeria, où certains ont trouvé l'incident amusant et surtout intéressant. Des internautes nigérians ont exprimé des commentaires humoristiques, certains allant jusqu'à dire que de tels faits ne seraient probablement pas signalés dans leur pays. La cadre zambienne à présent devant la justice pour répondre de ses actes, avant de probablement reprendre ses fonctions si elle n'est pas jugée coupable. Voilà, vous avez tous entendu cet audio. C'est juste incroyable comme histoire. Waouh! Une femme qui a eu des relations avec plus de 200 hommes. Seulement, le problème est qu'on n'a pas dit, elle a commencé quand? 200. Même pas 20. 200. 200 hommes. Est-ce que vous imaginez? 200 hommes, c'est marqué dans le journal, vous pouvez lire. Pour ceux qui parlent anglais peuvent voir, c'est marqué. Dans le journal, on a même rajouté que cette femme n'est pas mariée parce qu'elle a passé son temps sur les bancs de l'école. Elle a préféré s'instruire. Le temps de l'instruction ne lui a pas permis de rencontrer l'amour. Donc maintenant, quand elle a le diplôme et le poste, elle devient achao. Elle devient vendeuse de piments. Dans un bureau, on va appeler ça quoi? 200. 200, ça c'est pour les professionnels. Une femme normale, qui a un passé normal, même si on a dit que c'est toi qui étais la fille légère du quartier. 200! Non, 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 non. 200 hommes, comme on a bien dit, à qui elle promettait l'emploi, parce qu'elle est cadre supérieur, donc elle a fait des grosses études, elle a un bon poste. Et d'autres à qui elle promettait des prêts d'argent, des loans, peut-être des prêts pour des apports pour des achats de maison et tout ça. Et maman, cette maman a tapé fort. Son histoire est juste incroyable. Ça m'a dépassée. Ça m'a dépassée. Regardez la tête de cette maman ici, comment elle est assise, comment elle est sérieuse. Elle a un sourire angélique, tout doux, hein? Une femme vraiment que tu peux lui faire confiance alors que c'est Achao, vendeuse de piments. Elle vend ça correctement. En plus, elle, je suis sûre qu'on l'a corrompue, non? Parce que quand tu as besoin du poste, hein? Elle est douce comme ça, elle est belle, elle a la tête d'une sérieuse, sans maquillage, sans extravagance, correcte. Là, tous les hommes sont prêts à aller sans sachet, sans se préserver tellement elle inspire confiance, intelligente et belle. Maman, tu as tapé fort. Ça a tellement étonné les Indiens qu'ils ont écrit ça dans les journaux. Elle est au tribunal. Bon, je ne pense pas qu'on va la juger parce qu'elle, elle a voulu piétiner avec 200 hommes, c'est son corps. Mais peut-être on va la juger parce qu'elle a sûrement embauché des gens qui ne méritaient pas parce que ces gens-là l'avaient piétinée. Ces gens-là lui avaient donné ce qu'elle voulait, l'avaient satisfaite. Ah, c'était trop bien. Elle a tenu à sa promesse. Elle est sûrement convoquée pour avoir accordé des prêts d'argent à des personnes qui ne méritaient pas, qui ne remplissaient pas les critères de l'agence ou de la banque,
Mais elle, elle a accordé le prêt. C'est juste incroyable. On aura tout vu sur cette terre des hommes. Les papas, ne vous fiez pas à des femmes comme ça. Celle-là, là, franchement, si on te dit qu'elle connaît même deux hommes dans sa vie, tu vas dire non, elle est trop sérieuse. 200. 200 comme quelqu'un qui travaille en vitrine. La maman essaie de taper ça au bureau. Ah, non, 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 non. Je suis impressionnée et épatée. La maman, elle a fait ça correctement. Alors, c'est elle qui fait les avances ou c'est eux qui font les avances? Quand on vous dit mariez-vous, oh, moi, l'école, c'est bien. L'école aussi, il y a un temps pour tout. Regardez, c'est bien marqué en bas à gauche. On dit que elle était occupée à étudier. Elle était occupée à étudier. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de se marier. Maman, maintenant, après avoir étudié, c'est pour vendre les piments. Il y a des femmes incroyables, hein? Ne vous fiez pas aux apparences. Les femmes extravagantes, on nous insulte. T'as mis le tissage, tu mets les ongles. Pourquoi tu mets du rouge à lèvres? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Donc, il y a des hommes, quand ils te regardent, ils te voient comme un démon, comme une femme. Faut moi que non! Celle-là, elle est déjà pourrie, abîmée. Regardez celle-ci qui ressemble à un agneau. Une femme sérieuse. Publiée dans les journaux. Même les femmes qui mettent les cheveux rouges, verts, jaunes ne sont pas publiées. Elle est publiée. Donc, elle a tapé les records. 200 hommes. Et, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui la dépasse, vraiment, qui l'écrive, Kabibi, il ne faut pas t'étonner. Moi, je suis à 400. Ou je suis à 350. Parce que, vraiment, quand on entend des chiffres comme ça, on se dit non. Ça, c'est une femme qui vend les piments officiellement. C'est son boulot. Hein? C'est normal, elle ne peut pas les compter. Elle, elle a fait 200 au bureau. Au bureau. Non, la maman ici, hein, elle doit tenir bon. On a écrit Sleeping with over 200 different men. Over, c'est plus que 200. La maman ici, Ike, elle cherchait quoi? Elle cherchait quoi? Elle connaît tous les calibres, toutes les différentes bananes, tous les piétinements. Donc, on lui a rendu un mauvais service. Qui va l'épouser? Qui va encore l'épouser? Le CV capote, abîmé. Ça ne donne plus envie. Ça, c'est un petit malin peut-être qui peut aller pointer là-bas, un gigolo. Un gigolo peut-être, mais elle, ce n'est pas le style. Hein? Elle piétine avec les gens qui viennent chercher le boulot, donc c'est des garçons qui travaillent. Elle piétine avec des gens qui viennent prendre des crédits. C'est qu'ils sont quand même valables, ils ont déjà des finances pour venir à la banque. Ça veut dire que tu es quand même un peu crédible. C'est des gens qui gagnent leur vie. Ce ne sont pas des gigolos, des quartiers, des vendeurs de bières. Maman, en tout cas, vraiment, depuis que j'ai vu la photo ici, moi aujourd'hui, même si tu ressembles à un agneau, je ne peux plus te faire confiance. Tu peux avoir le même CV que la femme ici, Moutoala. Moutoala ou Moutoala là. La même tête. C'est rentré, celle-ci même s'est délivrée. Quand vous voyez une femme comme ça, vous comprenez seulement une fois. Elle, elle est délivrée. Elle n'a pas de démons, alors qu'elle a l'expérience plus que toi, elle te dépasse. Elle connaît tous les goûts. Tous les goûts, elle connaît. Toutes les techniques, elle connaît, elle a pratiqué. Maman, même si on a dit on se rattrape du retard, tu crois que quand toi tu étudiais, les autres faisaient quoi? Ils partaient avec 200 hommes. Non, les gens avaient des fiancés. Fiancé, tu restes 3 ans, ça marche pas. Tu changes après 2 ans, tu trouves un autre fiancé, tu restes 4 ans et t'épouses. C'est ce que les filles faisaient. Il y a des autres qui se sont mariés après le bac. Les filles ne piétinaient pas comme ça. Yaya, tu veux te rattraper que tu as raté quoi? Tu penses que tu as raté quoi? Ça, tu as doublé tout le monde. La maman, elle a doublé toutes ses copines, toutes les filles de sa génération, les filles de sa classe, elle les a dépassées. Abby, ne fais pas le moine. Ne fais pas du tout le moine. Ça, c'est agneau. Est-ce que vous voyez son visage? Agneau douce. Ça se voit même qu'elle a une petite voix. Gentille mamie. Une gentille tata. Tata Achao. Tata vendeuse de piments au bureau. Donc, vendre les piments, ça ne demande pas des études. Hein? Tout le monde peut vendre les piments, quoi. Elle a bien vendu son piment, donc tranquille, au travail. Elle a les douleurs, comme les filles qui se mettent debout dans la rue. Hier, c'était banane fraîche. Aujourd'hui, c'est banane pourrie. Aujourd'hui, c'est banane 15 cm. Demain, c'est banane 3 cm. Elle va, elle, les piments. Tranquille.
Elle allait de tout, on ne sait pas. Surtout quand tu cherches le boulot. On peut te faire travailler toute une semaine. Hein? Maman cherche la délivrance. Là, ton piétinement, c'est tout le pays qui connaît. Ah, les amis aussi, ils ont fait fort. Tout le pays connaît. Les fiancés des hommes qu'on a embauchés sous l'autorité de cette maman, ils sont en problème, en difficulté. Toi, dis-moi, tu avais eu le boulot comment? C'était vraiment les compétences ou tu étais passé par les piétinements? Parce que maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on lui demande la liste, si elle s'en souvient. Parce que 10 hommes se sont plaints. Vous voyez qu'il y a toujours des hommes sérieux. Quand les plaintes ont commencé à tomber, les hommes qui refusaient de piétiner avec elle, peut-être c'était des hommes sérieux, des hommes mariés, des garçons délivrés qui ont des principes. Ils ont refusé de piétiner avec elle. 10 plaintes, le travail a dit, mais ce n'est pas normal. Comment la femme là est directrice, elle est cadre. Les gens viennent se plaindre des bêtises, des insanités. On commence à vérifier comme ça. La maman au travail, elle a 2 boulots. Elle a 2 boulots. Elle doit satisfaire son portefeuille et satisfaire son corps. Elle part au travail en mission. Les femmes africaines, non! L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est agneau. C'est ça qui me dépasse. Si elle était même extravagante, sexy, on va dire, ah, c'est normal, vous ne voyez pas son look. Les femmes lookées, ayez la paix. Les femmes extravagantes, ayez la paix. Parfois, vous êtes innocentes, vous êtes des gentilles filles. C'est seulement la mode qui vous complique. La mode que vous suivez là. Un peu de fond de teint, un peu de rouge à lèvres, un peu de... Vous êtes qualifiées, pointées du doigt. Alors que, regardez, les sirènes sont là. Les vendeuses de piment, habillées en pagne. Vendeuses de piment a tressé les cheveux. Maman, mets seulement la perruque rose. Mets la perruque bleue, ça va mieux te correspondre. On peut te soupçonner. Elle, on ne pouvait pas la soupçonner. C'est pour ça que les gens portaient plainte jusqu'à 10 personnes avant qu'on prête attention. Tellement qu'une femme comme ça, qui peut la soupçonner? Qui peut dire que c'est vrai? Alors qu'elle est maître. Maître! Dangereuse! Elle nous dépasse. Il y a plus de 200. J'espère qu'elle a un carnet où elle marquait leur nom et les adresses d'où elle allait. C'est terrible. C'est terrible, c'est honteux. C'était le partage d'aujourd'hui. J'ai dit des émotions comme ça, je ne peux pas garder pour moi toute seule. Je dois partager ça. Il faut que les gens sachent, comme on l'a publié dans les journaux là. En tout cas, tout le monde doit savoir. Si vous voyez votre frère vient avec une fiancée de 39 ans qui s'appelle Moutoala, en tout cas, il faut savoir qu'elle a déjà piétiné 200 personnes. Hein. Je ne sais pas si elle accouche encore, si elle a avorté avec eux, si elle piétine comment. Parce que la qualité du piétinement qu'elle aime là, ça dépassait. Ça dépassait même les filles de la rue. Elle, vraiment, c'est une femme suspecte. La personne qui voudra l'épouser doit la délivrer. Il faut se rassurer que elle est délivrée parce que elle a piétiné, c'est au boulot. Si c'était dans son bureau, si elle a un hôtel, si elle a une maison, quelqu'un qui habite seul, qui va la contrôler? Vous, les hommes, là, qui aimez que oh, j'ai les business, je pars là-bas à la banque, là, il y a moyen, il y a espoir. Regardez les gens que vos maris vont piétiner là-bas pour avoir les postes. Très dangereuse. Très, très dangereuse, la maman ici. En tout cas, restons prudents. Affaire de Moutalé, une banquière zambienne de 39 ans, qui travaillant à la Zanaco Bank, a été suspendue par la direction de la banque, après que plus de 10 hommes ont déposé des plaintes officielles. Ils affirment que Moutal utilisait son influence en tant que cadre supérieur pour leur offrir des emplois ou approuver des demandes de prêts d'argent, en échange de relations sexuelles avec elle. Au total, il est allégué qu'elle a eu des relations avec plus de 200 hommes, comprenant des clients ainsi que des demandeurs d'emploi. L'affaire a suscité des réactions variées, notamment au Nigeria, où certains ont trouvé l'incident amusant et surtout intéressant. Des internautes nigérians ont exprimé des commentaires humoristiques, certains allant jusqu'à dire que de tels faits ne seraient probablement pas signalés dans leur pays. La cadre zambienne à présent devant la justice pour répondre de ses actes, avant de probablement reprendre ses fonctions si elle n'est pas jugée coupable. Bienvenue chez Rambo, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rambo, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rambo est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération.
Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rambo, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si qui toque. Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles. L'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi Wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza Sango, ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi, tomoni na miso, tonimi. Tobe Elioma, Oko, la team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.